Tous, c'est TG et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la compétition TOTS Ligue 1. Pour commencer, je vais vous montrer mon équipe. Voilà, la voici avec 5 joueurs de Ligue 1. J'ai Itoné, le milieu offensif du LOSC, que j'ai mis en arrière gauche parce qu'il est très rapide. J'ai aussi changé ma compo. Hein. Comme vous voyez, pour cette compétition, j'essaye le système à 5 derrière. Parce que quand je joue ce mode de compétition contre des gens qui jouent à 5 derrière, j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc j'ai gardé ma défense, comme vous voyez, avec Ramos, toujours présent. Avec Van Dijk, aussi, toujours présent. Et alors j'ai mis Gullit en DC, parce que Gullit, voilà, Gullit, il sait tout faire. Après, dans les autres joueurs de Ligue 1, j'ai Thauvin en TOTS. Ça, c'est que des investissements. Hein. Je les ai achetés à des prix pas très chers, et pour les revendre plus tard. Andy Delors. Wahbi Khazri, et alors celui que j'ai pas tiré en vidéo, Edinson Cavani qui est qu'on va tester, hein, franchement, je peux pas encore tester, donc on va voir ça. Allez, c'est parti, toujours derrière goal avec Van Basten, Zanetti, ça change pas, c'est des cadres, faut les laisser. Donc on va voir si ce système marche, hein, ce système c'est derrière. Je vais déjà vous montrer que j'ai déjà fait quelques matchs, et j'ai déjà perdu un match, ouais, déjà. Mais bon, voilà. J'ai pas joué à 5 derrière. Hein. C'est vraiment là que je vais essayer. Alors, comme vous voyez, j'ai plutôt 4 tickets. Je vais vous montrer. Là, 4. Voilà. Je suis à combien de points? Je suis à 108 points. L'objectif, ce serait magnifique, c'est d'aller chercher le joueur Ligue 1. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut avoir des TOTS titulaires. Voilà. Bon, bah, je pense pas que je vais y arriver. Hein, mais on verra. Donc, c'est parti pour ce premier match. Donc, d'abord, il nous faut 125 points. Ouais, on va pouvoir, j'espère, voir les fragments de cette vidéo. Je vais faire, je sais pas, peut-être 4 matchs, 4 ou 5. Bon, on verra déjà si je perds ou pas, hein, bien sûr. Comme avec la Serie A, quoi. Hein. On fera jusqu'à quand je perdrai, que j'aurai plus de tickets. Puis, si j'arrive loin, je verrai si je mets mes énergies pour aller chercher la récompense titulaire. Mais on verra. Ok, c'est parti, voilà mon équipe. Alors, ok, Donnarumma au goal, attention. Donnarumma très fort. Allez, 100, 120. Allez, allez. Premier match. Il va essayer de directement rentrer dedans. Ok. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué déjà. Allez, bien joué Andy Delors. Allez, Cavani. Ouais, Cavani, bien joué ça, garçon. On dit de l'or. Ouais, Donnarumma, chaud. Allez, Van Dijk face à Duffy. Van Dijk face à Duffy. Van. Oh là 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 là. On va la passer à Cavani. Enrouler la spéciale. Voilà, elle rentre tout le temps la spéciale. Encore une. Voilà, bien joué Cavani. Cavani pour l'instant très bon. Wahbi Khazri, bien joué. Et Flotov, pied gauche. Voilà. C'est serré ce match. Faut tenir ce rythme. La ballon perdue. Et Andy Delors, magnifique. Cavani coup du sombrero pour passer. Ouais. Dommage, il n'a pas passé Cannavaro. On a perdu du temps là. J'ai bugué. Ah, il est hors jeu. C'est stressant cette fin de match. Il égalise. Mais on repasse devant, bien joué Andy Delors. Là on va la passer. Cavani qui n'est pas hors jeu cette fois-ci. Balle de match, logiquement, même s'il marque, il marque pas. Allez, première victoire. C'est bon ça. Commencer par une victoire, ça fait du bien. Donc les récompenses, bah voilà. Hein. J'ai 5 points bah, parce que j'ai des joueurs de Ligue 1. Et 3 parce que j'ai des TOTS. Hein. Regardez, c'est là. Juste le titulaire TOTS que je n'ai pas, quoi. J'ai pas envie de le faire à chaque fois, ça va me faire perdre des énergies, donc ça sert pas trop grand chose. Ben allez, nickel, on a 125 points, ouais, donc je vais directement ouvrir celui-là. Des fragments TOTS Ligue 1, que j'utilise pas, enfin que je convertis en points. Il n'y a aucun joueur de Ligue 1 qui me sert. Benitez, PP, ok. Allez, on est parti pour un deuxième match. En espérant une deuxième victoire. Peut-être faire 3 matchs cet épisode, vu que je vous ai présenté l'équipe pour pas que la vidéo soit trop longue. Puis après, j'en ferai plus. Je pense que je vais les enchaîner, les vidéos. Là, je suis disponible l'après-midi, donc je vais peut-être les enchaîner, les vidéos. Je sais pas, je vais.
Et alors, je me rattraperai dimanche prochain. Grosse vidéo achat-revente. J'ai pas su le faire ce week-end, je n'étais pas chez moi. Donc, j'ai pas su le faire. Mais si vous voulez des petites techniques, ben, il y a toujours la TOTS Lydian. Les réservistes. Voilà, ça marche. Je la trouve un plus. C'est la base. Voilà. Franchement, si vous voulez, je vous montrerai peut-être en fin de vidéo si c'est pas trop long. Alors là, je fais de la merde déjà. Tu vois, c'est type en face. Hein. Il a une grosse défense surtout. D'accord, j'arrive pas à enchaîner. Et ça a l'air d'être Monsieur Parfait en face. Monsieur Parfait, c'est Monsieur qui marque à toutes les occasions. Comme vous voyez, il n'en a pas encore loupé une. Voilà. Doublé de quadri. On va le fixer. On le met au bon moment. Cavani, il est parti. L'enroulé de Cavani. On est déjà revenu. C'est pas Monsieur Parfait en face, tant mieux. Zanetti, du gauche. Voilà. Andy Delors. Vraiment pas mauvais Andy Delors, hein, franchement. Alors il connaît. Ouais. Aïe aïe aïe, faut pas la louper. On va essayer de loin pour attraper du temps. Il a mal côté. Dommage. C'est un risque à prendre. Cavani. Voilà, ça va être chaud de gagner ce match. Ça va être chaud. Oh là là, non, c'est pas possible ça. Allez, non! Sérieux? Non, bah là c'est trop là. Le joueur qui se tire dedans. C'est toi, station. Ouais, défaite. Bien joué, Cavani. Cavani, pas mauvais non plus. Je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire dans ce match. On voyait l'action là. Si c'est pas ça que Cavani qui tombe. Enfin, ouais. Encore une défaite. Moi, je pense que la série va encore aller très rapide. Comme la précédente. Déjà 3 chances. Allez. Dernier match. Terminé par une victoire, ce serait bien. Mais franchement, je galère. Hein. Même à celle derrière, en fait. Franchement, je ne sais pas. Je peux vraiment pas quoi faire. Si vous avez des idées en commentaire, je suis preneur. Personnellement, je galère. Alors que franchement, je trouve avoir une bonne équipe. Je trouve. Mais ouais, je ne sais pas. Alors, qui est avec Pepe Tots. Il a récupéré Pepe en Tots. Très belle carte. Nicolas Pépé. Alors, c'est parti. Son équipe a l'air d'être quand même un petit peu plus prenable. Donc, j'essaie de terminer par une victoire, ce serait bien, même si la Van Dijk. Voilà, ça va nous empêcher de marquer. Mais c'est Lloris au goal. Lloris n'est pas le plus grand des gardiens. Le festival de Zanetti. Festival de Zanetti. Oh, joli but de Zanetti. Bien joué, garçon. Hop, voilà, regardez, vu que Udo n'est pas ne passe pas le mettre en ordre, ben il a du mal le ballon en l'air, c'est normal. C'est pas le plus mauvais gardien, hein, mais. Voilà. Sa taille me permet de marquer. Oula. La notif qui vient bugger le jeu. Super. Je suis un peu merdique pour l'instant. D'accord, Maldini qui me prend la balle, on sait pas comment. Oh, allez. Compliqué. Allez, Zanetti. Zanetti est en forme là dans ce match. Giovanni. Allez, il faut la mettre celle-là, Edison. Elle est splendide, la spéciale. Allez, tenez. Faut que tu passes avec ta vitesse. Bien joué, ton pied gauche. Allez, c'est bien, on reste devant. Faut le gagner ce match. Zanetti, tu es en forme. Voilà la grosse frappe dans la lucarne opposée. Allez, Flotov. La spéciale du gauche. Le Flotovin, voilà, nickel. Là, on va essayer en centre, Cavani. Et voilà, ça va être la victoire, super. Allez, on va franchir la barre des 10 buts peut-être. Et voilà, nickel. Cavani, très fort. Hein. Franchement, si vous faites un buteur en Ligue 1, Cavani, moi il me plaît, hein, franchement. Entre guillemets, il coûte pas cher. Enfin, pour un an dans le cas, je trouve qu'il coûte pas cher. On va aller vite voir son prix, puis je suis tout prêt. Parce que franchement. Comme vous avez vu sur cette vidéo, il m'a loupé très très peu d'occasions, hein, franchement. Très très agile. Très bon. On va aller voir son prix. 94, Cavani. On va mettre Cav. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Ah ouais, si, ouais, je suis à sa version 96. Tac. Alors, on va aller voir son prix. Voilà, c'est 10 millions là. Ouais, donc à peu près 10 millions de crédits. Et franchement, si vous voulez voir sa carte de plus près, regardez ça. Ça reste quand même monstrueux, hein. Une prime légendaire.
Personnellement, les primes légendaires, je trouve que c'est là-dessus qu'il faut partir. Regardez, franchement, il a une sage carte. Donc voilà, on va se terminer là-dessus. Donc, on va vite refaire un petit topo. Où on en est. Allez, ça charge. Donc, on a fait deux victoires, une défaite dans cette vidéo. Voilà, encore trois chances. On est à 148 points. La prochaine est à 225. J'espère la prochaine récompense dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon après-midi à vous. Peut-être que je vais les enchaîner, je ne sais pas encore. Sûrement. Mais voilà. Bon après-midi à vous et à la prochaine vidéo.